Allez, on est parti. Mais oui, ma webcam, faut que je l'enlève d'ici si je la veux là-bas. Il fait que je fasse l'overlay aussi, mais du coup, j'ai pas pris le temps. Bon bah je vais faire ce bastion et puis après on fait ce que tu veux. Ouais. J'ai pas besoin d'OBS, je sais que ça marche. Mettre ton retour, ouais, je vais mettre ton retour à la place. Heureux JWQB, comment ça? J'espère que tu vas bien. Façon, il faut que je débloque là aussi la difficulté 3 là. Sinon, je peux pas jouer avec toi. Oui. Encore en train de faire des vents, JWQB. Ah merde.
Mais t'as encore crash? Ouais, ça fait deux fois. Je sais pas ce qui se passe. Ça vite me gonfler, vois-tu? Mais y'a de quoi, hein? Et deux fois en moins de 10 minutes là. Surtout que j'ai pas fait de donjon ni rien. Putain, j'étais en ville quoi. Je dois faire maintenant. Le sommet. Ah non, je dois aller là-bas. J'ai besoin de temps pour faire ça. Il était dur le donjon à faire ou pas? Il me faut plus de temps. Lequel? Bah, je suis là pour débloquer le. Le boss de fin, oui. Personnellement, j'ai un peu sué du cul. Mmh. Mais après, tout dépend le stuff que t'as aussi, quoi. J'ai une compétence sur un légendaire. Mmh. C'est une dinguerie, gros. Ça fait quoi? En gros, tu sais, moi, je joue build de poison. Mmh. Donc, je joue trappe poison et imprégnation poison. Et bien... J'ai une perque sur mon arc là, qu'il faudrait que je mette sur mon arbalète d'ailleurs. Lorsque vous lancez une compétence d'imprégnation, vous déclenchez une explosion imprégnée autour de vous. Ce qui implique des effets d'imprégnation et inflige 1371 points de dégâts du même type.
Ah oui, putain, c'est pété. Et crois-moi que... Pourtant, je suis là, je suis en T3. Je tombe à côté du gars, là. Attends, je vais me mettre à côté d'un mob. Voilà, juste, je le pose à côté d'eux. Un petit mob, genre là, un petit fantôme à la con. C'est comme si je le one-shotais parce qu'il continue de prendre les dots de poison et il meurt. Revenez s'il vous faut quelque chose. Ah, c'est pas mal. Attends, peut-être que je passe en poison aussi, du coup. Je crois que celui-là, il existe aussi pour l'ombre. Et bon, je vais voir d'abord si je m'en sors aussi et puis. Ouais, puis après, c'est l'appréciation. Ce que tu mets pas, tu vois. Je veux dire, après, faut jouer aussi les builds qu'on aime, quoi. Ah oh ouais, bien sûr. Comme forcément, je joue un build que j'aime pas. Là, j'aime bien celui-là, c'est pas mal. Tu regardes les voleurs. La plupart des builds, ils vont jouer avec les lames scélérates. Tu sais que tu plantes dans le dos, tu claques une TP, elles reviennent à toi, elles font masse dégâts. Moi, je joue pas cette perque-là. D'accord, enfin, moi c'est ce que je joue. Moi, je joue pas ça. Moi, je joue avec Rafale. Bah après, il y a plusieurs builds possibles, hein. C'est... heureusement d'ailleurs. Hein. Après, Hop, j'ai une clé. Donjon est plutôt simple. T'as des mobs, je veux dire. Bon, je vais aller voir le boss, on verra bien. Après, j'ai vu qu'il y avait un build rogue aussi, type, bah tu sais, comme les chasseurs là, de Détroit à l'arbalète. Ouais. Qui était apparemment celui qui était le plus pété de tous les builds de rogue, mais bah, hors de question que je joue à l'arbalète là. Je joue à la dague, frère. La dague. Je veux rien savoir. J'adore ce build. Je vais essayer un truc après, ça, je vais voir comment ça se passe pour un nouveau perso. J'ai beaucoup hésité entre faire voleur et nécro.
Ouais, si vraiment je viens faire un deuxième perso, je pense que je ferai un barbare. Elle tombe bien le cac quoi. Ah oui, moi je joue pas de loin, je suis pas un joueur de loin. J'aime bien la proximité, tu vois. Je m'aime, monsieur. Je joue au cac. Focus le plus gros des mobs. Ouais. Pose un piège à mes pieds. Tous les mecs qui viennent m'entourer, puis ils prennent des dots. Par contre, il y a vraiment des bugs dans le jeu avec le stun. Là, je viens de mourir parce que je pouvais pas me mettre de potions. Je spammais ma touche. Impossible de me mettre des potions. Hein.
Hein? Bah, la fenêtre. Je suis en train de faire le donjon pour débloquer le cauchemar. Hein. Ouais, vas-y, vas-y. Tout tuer du monde et du monde. Je pourrais pas tarder à recevoir le collector aussi. Et le mini collecteur de la FNAC aussi. Super. Celui qui lui dit que je suis pas fan de Diablo, je le crois pas. Des aspects. Non non, je fais mon build. Ah. Et j'ai besoin de certains aspects, c'est important. Que. Ouais, j'ai déjà fait le donjon pour mon aspect. Cathédrale de la lumière. On va peut-être aller me vider un peu avant. Je regardais sur internet, tout le monde se plaint qu'ils ont foutu les coffres beaucoup beaucoup trop loin. Les coffres. Bah pour stocker les trucs. C'est vrai que... Il est un peu... Ah. Ouais, après faut-il encore stocker? Bah moi je mets toutes les gemmes déjà donc... Le stuff je le garde pas.
le Dez quand je l'utilise pas. T'as fini ton truc ou pas? Je dois rentrer dans la chambre du conservateur. Ah non, bah vas-y, vas-y. Pas pour moi. Mais je pars sur un autre donjon en attendant. Y a pas l'air d'avoir d'event. Ok. Et d'une simplicité le boss. Je récupère trop vite ma vie en fait. Bon, si je me mets dans deux attaques, je pense que je prends cher quand même. Non, moi je ouais. Enfin, moi c'est pareil, quand je tape, je régène. Ah, je me trouve tout le temps de boutons pour les potions aussi, là ça me saoule. Et allez, il y a des freeze. Si ouais, moi j'ai changé. J'ai changé moi ces boutons là. Bon, ça va. Je dis pas qu'il est facile, mais. Tant que je tape, je reste en vie quoi. Le plus chiant c'est les touraines. Oh. Avez-vous besoin? Ça se démantèle assez bien. Alors si je peux pas monter mes potions, moi je sais plus c'est qu'ils me veulent du coup. C'est 60. Que la lumière vous garde. Que le meilleur, de véritables éclats des cieux.
Ton stuff, tu le mets 4 étoiles ou 3 étoiles quoi? Enfin... De quoi avez-vous besoin? Pour l'instant, on ne met ni en 3 ni en rien du tout, puisque t'as même pas encore de sacré. Ouais, mais faut quand même gagner un peu de stats quoi. Franchement. Ça coûte vraiment pas cher quoi, du coup. Le plus cher c'est de mettre 4 machins. Ouais, mais ça va te coûter des ressources. Ah, mais je fais que casser donc je les ai les ressources. Et puis je peux, d'ici là, je vais certainement faire tomber du légendaire. Bah après, tu peux les monter jusque... 3, je fais 3 moi. 3 ou 3, 4 3. Maximum quoi. Mais ça va pas te faire gagner grand chose non? Ouais, c'est quand même un petit peu, tu gagnes 30-40, ouais. C'est surtout sur la défense qu'il me faut des points de vie donc. Bon bah voilà, j'ai fini le donjon. Je me passe en cauchemar. La défense ou tu veux dire l'armure hein. L'armure, ouais. Ouais, je suis à 3800. 3008 Je suis à 3008, mais moi j'ai un. Un truc. En fait, mon armure elle est augmentée de 0,38% pendant 4 secondes. Lorsque j'inflige n'importe quel type de dégâts. Mais en fait, je peux monter jusque 37,50%. Mmh. Et c'est le minimum. Le maximum, c'est 75%. Donc en fait, vu que je mets tout le temps full dégâts, plus full dot, plus etc., bah, tu te doutes bien que mon armure. C'est quoi en haut à gauche là? L'écran, c'était performance? Je vois pas, c'est une petite, c'est trop petit pour moi. Que je... Ah, en haut à gauche? Ouais. C'est... Ouais. C'est pour voir c'est si le jeu est stable. Ouais, en fait, c'est. Moi, j'ai ça dans tous mes jeux. C'est... J'utilise ça avec Rivet Runner Statistique. J'ai mes FPS, la température de mon processeur, la température de ma carte graphique, le pourcentage d'utilisation de mon processeur, pourcentage d'utilisation de ma carte graphique, et une frame time. La frame time, ça me donne mon input lag, entre guillemets, et la stabilité des FPS, en fait. En gros, plus la ligne est correctement droite, et plus c'est stable après, mais dans et tu vois que Diablo, tu vois, il y a plein de petits pics parce que c'est pas stable parce que ça génère en fait des mobs tout le temps. Tu vois, c'est si je veux que ce soit plus stable, je vais caper par exemple mes FPS à 120. D'accord. Et ce qui fait que du coup, vu que j'aurai quasi du 120 en constant, bah effectivement. Ça va être plus stable, tu vois. C'est... c'est pour moi connaître les perfs de mon PC, savoir ce qui se passe. J'utilise ça, quoi.
juste finir les hôtels de l'élite là, puisque j'avais pas encore fini. Au moins celle de l'acte 3, je crois. Je sais même plus où j'en étais du coup. Bah, les hôtels, c'est quelque chose quoi. Il me reste combien? Je suis à 19 sur 33. Il y en a 160 en tout des stèles. Hein. Ouais, ouais, je sais, mais de cet acte-là, je veux dire. J'ai fait tout l'acte 1, l'acte 2. Et là, je suis en train de faire l'acte 3, je crois. Mais tu vois, je suis bien content de l'avoir fini ce truc-là. Ouais. Mais bon, après, si tu veux qu'on joue, on joue, hein. Non, mais vas-y. J'arrive pas trop à me situer pour le moment, c'est chiant. Moi, j'ai remis en facile. Faire ça. Ça suffit. J'ai des frissons horribles. Il me faut plus de temps. Qu'il est là.
ça que ça suffit. Il y a un point de paragon à récupérer. Ici. Je sais pourquoi je lag. Oh. Voilà pourquoi. Ça demande trop à mon PC. Voilà. Ah bah c'est largement mieux. Parce que je me dis mais ça lag, fou lag depuis tout à l'heure, je comprenais pas. J'ai pas débloqué de nouvelle. Ah bah si, là je peux récupérer des platines, de l'expérience. Parce que Glenn, j'ai tout fait quoi. 4 points de paragon, ça fait du bien ça.
Faut le voir. Il fallait le voir. Donc je suis là. Ok. Méga freeze. J'ai croisé deux sorciers, ça m'a fait freeze comme jamais. Plus de temps. Ah, ils peuvent tuer le cheval. Je savais pas ça. Ouais, et je crois que ça fait que ça augmente le cooldown. Ouais, ouais, c'est ça. Ça c'est fait. C'est long quand même, hein. De quoi? Bah de trouver tous les hôtels. Ah bah ouais, bah là tu t'es engagé dans un truc, mon pauvre. C'est cool.
Je vois un truc. Les paramètres par défaut et après je remets en et j'avais mon HDR mais l'HDR il rend les jeux super lumineux, c'est un truc de fou. Ouais, mais je t'ai dit l'HDR c'est pas fait pour le gaming. Ah ouais non mais il me l'a mis tout seul en fait parce qu'il est activé directement dans Windows et sur ton écran. Oui mais je l'avais désactivé et puis là c'est bizarre. Et en fait, je me souviens que j'ai été dans mon paramètre de mon écran parce qu'il y a la minuterie. Et je l'ai toujours pas enlevé d'ailleurs. Attends, je vais le faire pendant que j'y pense. Alors, ça serait dans le menu. Couleur non, afficher la non plus. Système. Minuterie plus. Off. Voilà. Je crois que le jeu a planté. Il a pas kiffé. Ah ouais, il a pas kiffé du tout. Ouais, le jeu il bug tout ça là. Ouais, ouais. Mais en même temps, c'est normal, hein. Les gens le pré-téléchargent et là, dans une heure, dans 1h09. Les gens peuvent jouer, ceux qu'ils ont pas précommandé. Ah là, on va... On va subir, je crois. Il n'y avait pas de file d'attente pour les joueurs qui avaient acheté le jeu. Parce qu'ils ont bien prévu le coup. Mais là, je crois qu'il risque d'avoir une file d'attente. Ah bah c'est mieux comme ça. Bon, c'est un peu plus sombre certes, mais c'est mieux. C'est le but. Parce que j'avais l'impression de jouer à Diablo 3. T'sais. Oh oui non. Pas faire ça ici.
Eh, je vais m'énerver là, les mobs. Laisse-moi regarder ma map. T'as déjà rencontré le boucher? Tout à l'heure. Il est beaucoup plus rapide que dans les jeux précédents. Et c'est qui le boucher exactement? Le boucher, comment expliquer? Ben c'est le boucher quoi, c'est un démon quoi. Tu le trouves de temps en temps en faisant un donjon. Tu peux tomber dessus. C'est juste, c'est un boss aléatoire en fait. C'est un boss dans les donjons aléatoires. Mais il est beaucoup plus lent dans Diablo 3. Hein. Là, il te rush le truc. Bon, plus que 5. Est-ce que ça serait pas celui-là? 1, 2, 3, 4, 5. C'est... Non, il n'y en a pas là. J'attends. Est-ce que vous voulez vous TP? Non. Est-ce que vous voulez vous TP? Non. Je suis nul. Je cherche pas à appuyer sur un bouton. Je peux pas faire ça ici. Je peux pas faire ça ici. Attaqué par des mouches, ça c'est le pire des mobs dans le jeu, des mouches. Non mais j'avoue, en plus elles te mettent un vieux debuff horrible. Donc, si je prends là, 1, 2, 3, ok, 1, 2, 3 là, 1, 2, 3, ok là. Regarde. Le problème c'est que j'avais commencé hier et du coup je sais plus où j'en suis. 1, 2, 3, 4. 4, ok. Là-bas, c'est pris. Là, c'est pris. Là-bas, c'est pris.
venu dans le chat, mais j'étais plus dans le chat de Twitch, ça m'a vu enlever. Et j'ai des potes qui jouent là. Hein. Pupix, il vient de... Tu te souviens de Pupix? Oui, oui. Bah, oui. Il est venu à la maison, lui. Hein? Il est même venu à la maison. Ouais, ouais, ouais. Attends, je vais demander s'ils veulent pas vote. Le qui reste tout seul, là. Et merde, j'appuie sur le bouton. Il me faut plus de temps. Cette race qui voit. J'ai pas vu que c'était déjà minuit, ça, ça passe vite. Ouais, ouais. Je ne suis pas prêt.
1. Oh putain, il en manque 1. Ça va être chiant pour le trouver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quasiment sûr que c'est celui-là, mais je vois rien. T'es lieu dans une guilde, toi? Non. Pas encore checker ça, j'avoue. Si tu veux, je t'invite. Hein. Ouais, faudra que je regarde en fait ce que ça a un réel intérêt ou pas du tout. Ah, déjà, rien que pour la communication. Il y a des gens qui sont là à l'écrit et pas forcément vocal. Laissez-moi tranquille. D'accord, on m'a attaqué, je sais pas ce que c'est.
suis sûr que c'est celui-là. Hein. Mais c'est peut-être là en fait. Il me faut plus de temps. Parce que c'est. Je regarde pas la map interactive, je regarde une image. J'arrive même. Merde, qu'est-ce que je fais? Ah, je cherche pas, ça sera là. Je vois bien le truc là. Ça va faire trois fois que je monte et descends de la falaise. Parce que j'appuie sur espace comme un. Retard. Eh ben oui, elle est là. Bon bah ça c'est fait. Tu veux qu'on essaye un donjon? Là, je suis dans un donjon cauchemar là. Mais dès que j'ai fini, je suis chaud. Je vais essayer de level up avant de venir. C'est bien que j'arrive à up. Il reste quasiment rien. Il n'a jamais répondu à ça. Pourquoi ces frises de mort là? Ah, il y a un truc qui a apparu. C'est quoi ça? Un rituel. T'en as déjà fait des rituels? Ouais, je pense. C'est quoi le rituel? Je sais pas, c'est sur la map. Ça met ça met moins d'une minute à pop. Mais je vais pas y aller, Donc j'essaye de up là. Bon, quasiment rien. Je crois que si je finis une quête secondaire, ça. Je level up. Relancer le jeu parce que je frise à mort là. Peut-être, c'est tous les altables que je fais, ça ne me plaît pas du tout.
Ah non, il faut pas. Non, non, ça va pas lui plaire, là. Je vise mal, mais j'essaierai de ne pas vous tirer dans l'arrière-train. Allons-y, il se cache dans les tunnels près d'ici. Je ne suis pas prêt.